Puissant 7. Cette vidéo, c'est pour rendre grâce au tout-puissant Dieu de Papa Florian, pour lui dire merci. Faut dire que j'ai connu le Dieu de Papa Florian il y a 2 ans en arrière. Lorsque j'étais enceinte de mon fils, dans mon sommeil, j'ai reçu un coup de fusil dans mon ventre qui m'a réveillée. Et donc, il s'avérait que ma vie et celle de mon enfant étaient en danger. Vu que c'était d'ordre spirituel, il fallait trouver un puissant homme de Dieu qui allait nous donner la victoire. Sur ce mal-là. C'est ainsi que nous avons rencontré le Dieu de Papa Florian. Malgré que nous nous sommes moqués de lui, il nous a donné la victoire, mon enfant et moi. Et il a permis que cet enfant-là, 12 ans après, me rejoigne ici en France. C'est le Dieu de Papa Florian qui fait ça. Et ce n'était pas facile. Faut dire que il y a 2 ans, en 2022, j'ai déposé les documents et ça mettait tellement de temps pour moi parce que les choses sont allées très vite pour la visite. Donc j'étais trop confiante. Je me suis dit au bout de 6 mois, c'est sûr que mon fils allait être là parce que les choses sont allées vite, vite, vite. Donc, mais je voyais que ça mettait trop de temps. Et j'ai dit, mais j'ai pris mon sang de Jésus dans la nuit, j'ai prié et j'ai dit, Dieu de Papa Florian, ton serviteur, il a prié sur mes documents. Il m'a dit, prends ta joie, ma fille, c'est fait. Mais ça met trop de temps. Mes amis, pour eux, c'est aller vite, mais pourquoi pour moi ça dure? Et donc, je dors, je vais faire un rêve où je suis allée chercher mon fils et on nous poursuivait, mais de ouf, il y avait du monde derrière nous qui nous poursuivait. Tu vois pas c'est qui, mais ils sont nombreux avec tout ce qui était dans leurs mains. Et après, je ne pouvais pas trop courir avec mon fils, j'ai vu que je n'arrivais pas à avancer. Donc, je lui ai dit, retourne chez ton père, tu restes là-bas jusqu'à ce que je revienne te chercher. Quand j'ai fait ce rêve-là, je me suis levée, j'étais tellement contente parce que je sais qu'il m'a répondu. Et là, j'avais confiance en fait. Et donc, j'ai pris mon calendrier, je lui ai demandé pardon d'avoir douté un peu. Et je lui ai dit merci. Plus jamais je n'ai douté, pensé sur ce chapitre de regroupement familial. Je sais que Dieu a déjà fait, je lui laissais juste le temps. Et il a permis que ce temps soit en 2024, de 2022 à 2024. J'ai reçu l'avis favorable et il a permis que mon fils me rejoigne en France. À Abidjan, le diable a failli remuer sa queue. Mais, Dieu le papa Florian, j'ai encore pris le sang de Jésus lorsque ça clochait. Je lui ai dit, les enfants du président, là, ils ne vont pas déposer papier quelque part. Et puis, on va leur dire, faut compléter le dossier. Moi, je suis plus que l'enfant du président. Parce que toi, tu es mon Dieu. Sans toi, j'ai mis ma confiance. Ce document-là, je n'ai pas pour compléter. Qu'il me donne le visa de mon enfant. Afin que moi, je te rende grâce et je témoigne ton nom devant la grande assemblée du chemin du ciel. Et je vous assure, quand j'ai fini cette prière-là, 2 jours après, ils ont appelé pour dire, venez prendre le visa de votre fils. Son père, il a dit, ah, je savais, ils allaient rejeter le dossier. J'ai dit, va prendre quand même. Il est parti. Le visa a été accordé. Accordé, sans même complément de dossier. Rien. Accordé. Vraiment, je lui dis merci à ce Dieu-là. Quel que soit ce qu'on lui demande, son temps est le meilleur temps. Il faut patienter. Il faut pas aller de gauche à droite, restons tranquilles. Franchement, on a le meilleur ministère, en fait. Et je dis merci à Papa Peggy. Merci à Maman Béné. Merci à toute la grande assemblée du chemin du ciel. Papa Florian, je te dis merci. Que Dieu t'accorde la longévité, que Dieu t'accorde la santé et que Dieu fasse que tu restes toujours, 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 toujours debout, comme tu es toujours resté debout pour son œuvre. Papa, je t'aime beaucoup et que Dieu nous garde. Bisous. Je te confie, papa, ton enfant. Tu as permis qu'il soit en vie. Prends-le en charge. Que dans ses pas que tu l'as envoyé ici en France, qu'on sache qu'il y a ta marque sur sa vie. Merci, papa. Je t'aime. Bisous.